Et il est 8h05. Ces mesures vont-elles servir à quelque chose? En tout cas, les forces de l'ordre disent déjà que ce sera impossible à faire respecter. Près de 35 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Le nombre de patients en réanimation est en hausse. L'épidémiologiste Catherine Hill était à l'instant votre invitée, Mathieu, sur RMC. Et ce qui est certain, eh bien, c'est qu'elle n'est pas convaincue par ces mesures. C'est une demi-mesure, mais c'est même un quart de mesure. Mais quand même, on ne peut pas continuer à laisser. D'ailleurs, on va continuer encore quelques temps parce que le système a de l'inertie. Et tous les jours, il y avait plus de gens qui arrivaient en réanimation. Et tous les jours, il va encore y avoir plus de gens qui arrivent en réanimation pendant un certain temps. Je ne sais pas, pendant 7 jours, pendant 14 jours. Donc les hôpitaux qui craquent déjà vont craquer encore plus. Donc de toute façon, il était indispensable de faire quelque chose.